Yo, salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo là, on va débriefer le défi de Noël. On va voir qui c'est qui a réussi mon défi. Je rappelle, il y avait 100 euros à gagner à celui qui réussira toutes les techniques que j'ai proposées dans une dernière vidéo. En tout cas, j'ai terminé la peinture de mon nouveau studio. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires déjà. Est-ce que vous trouvez ça cool ce bleu? Moi, j'adore. C'est la mer, c'est le ciel, c'est le pouce bleu. D'ailleurs, je vous invite à le mettre directement et à vous abonner si c'est pas le cas. Allez, on attaque le débrief. C'est bien cool parce qu'il y a eu pas mal de participants et je suis surpris par le niveau de mes abonnés. Vous êtes des fous parce qu'il y en a beaucoup qui ont réussi et du coup il va falloir se départager. Donc là on va débriefer tous les gagnants et à la fin de la vidéo je vous montrerai des nouveaux défis qu'il va falloir réaliser. Je rappelle, 100 euros à gagner, pas n'importe quoi. Il va falloir des techniques super dures. Je vais essayer de me préparer, de me chauffer pour vous sortir des techniques bien dures pour qu'il n'y ait qu'un seul vainqueur. S'il y en a plusieurs, je m'engage à offrir une récompense à tout le monde. C'est mérité, vous avez joué le jeu donc c'est cool. Alors on avait déjà Alexis qui lui a réussi nickel les manioles, les stoppies. Ce que j'ai vu en débriefant ces vidéos, il y a eu deux techniques vraiment dures. C'était le stoppie sur la roue avant, les 5 sauts sur la roue avant, c'était vraiment chaud, surtout ceux qui avaient une fourche. 2, 3, 4. Et là pour Alexis, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que vous pensez pour Alexis que les 5 sauts sont validés ou pas? Pour moi, je dirais que oui, parce que ça tombe pile poil. On est à la limite. Ah, il réussit le level 100. Ok, ça c'est validé. Donc Alexis, allez, c'est bon, moi je t'envoie en finale. Mais vraiment dans les commentaires, je prendrai en considération tous vos retours. Si vous pensez que c'est pas validé, on l'amène pas en finale. Allez. Ensuite, il y a Antoine qui lui a réussi. Il a fait un mix entre son trial et son VTT. Effectivement, je vais pas préciser, on a le droit de changer de vélo dans les défis. S'il y en a un qui vous arrange plutôt que l'autre, vous avez le droit. Tant que tous les défis sont réalisés, c'était le principal. Antoine, joli pull, bomber chaud. Il a réussi tous les défis, le level 100 impeccable. Lâcher un pied, en plus il le fait en wheeling. Je pensais pas que c'était possible en wheeling, il y en a plein qui l'ont fait en wheeling. Pour moi je pensais que vous alliez tous faire en saut sur la roue arrière et passer le pied. Mais écoute, c'est validé, ça c'est top. On avait aussi Baptiste qui lui en street trial l'a fait. Effectivement c'est plus simple de faire les 5 sauts sur la roue avant avec un street trial, un trial ou en tout cas un vélo tout rigide. La fourche c'est souvent un handicap. Donc là ok, ça c'est validé. Pour moi, nickel, tu pars en finale également. Là on a des plus jeunes Bastien qui lui 12 ans, on le voit ici, le manual, les sauts sur la roue arrière, ça c'est bon, stoppie, 5 sauts sur la roue avant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, ça c'est validé. Latéral, en plus bah tu montes sur le mur, ça c'est un point positif, saut latéral, facile, ça enchaîne, level 100, yes, parfait, bienvenue en finale. J'ai hâte de vous montrer les figures que je vous ai préparées pour la finale. Ça va pas être la même. On a Colin également, un jeune, avec le street trial, les stoppies, les manioles, c'est validé. Colin, t'es en finale, prochain finaliste, Dorian, avec le VTT cette fois-ci. Le manual, parfait. Stoppie 90, parfait. Les 5 sauts, j'ai hâte de voir ça avec le semi-rigide. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh, il en faut pas plus, hein. C'était 5 sauts sans casque en plus, ça c'est pas bien ça Dorian. Les 5 sauts sur la roue arrière, ça c'est validé. Royal, parfait. Dorian, bienvenue en finale également. Hugo, cette fois-ci, avec le trial pur, là, sous le garage, stoppie. Et là on le voit, ceux qui ont pas réussi les 5 sauts sur la roue avant ou qui savent pas faire le stoppie, là on voit vraiment l'amplitude qu'il met sur le stoppie. N'hésitez pas à monter l'arrière, j'en profite pour vous donner des tutos ceux qui n'ont pas réussi. 5 sauts arrière, ça c'est bon, tu les as nickel. Lâchez une main, pouce bleu, ça c'est fait. Hugo, bienvenue en finale également. Oh, il commence à avoir du monde en finale. On a Léo maintenant avec un street trial. Vous voyez le stoppie, l'amplitude. Quand tu sais faire un stoppie avec une telle amplitude, normalement les 5 sauts sur le roue avant. Ok, il nous a mis un slow-mo en plus pour être sûr. 1, 2, un slow-mo, slow-mo. 3, 4. 5, yes, 6, 7. Voilà Léo, ça passe en finale également. On a Loris maintenant. Yes, ça rajoute des figures au milieu et tout. Ça me plaît, ça lâche le pied de côté. Ça c'est du freestyle. Yes, en plus il nous met un bonus. Tire tap, foot jam whip, ça sort les pieds et tout. Propre. Oh, je sens qu'on va avoir du concurrent ici. Loris du coup t'es en finale également. On a Louis avec un trial cette fois-ci. Sans casque, aïe aïe aïe. Je dirais rien, c'est toi qui fais. Le manual c'est bon, les sauts, lâche une main. Parfait, descend les murs. Latéral, la technique sans nom. Ouh. Allez c'est parti pour la finale également. On a Maël maintenant. Vous avez prévenu, il y a un paquet de finalistes. Maël, trial et VTT de cross country, il a pris les deux. Il a tout réussi, il en rajoute également. Lâcher un pied, lâcher tous les pieds. Vas-y il est tranquille, descente latérale. Et bah écoute, vas-y, go, finale. On avait Martin également avec son VTT. Le stoppie, là vous voyez l'amplitude. Ça, ça que j'aime, 5 sauts avant. Vas-y montre-moi les 5 sauts avant. 1, 2, 3. Oh, je sais pas si on valide ça. 1, 2, 3, 4, 5. Comme le premier. Les 5, c'était réception sur...
sur les deux roues. Là vraiment j'ai encore besoin de vous là. Moi je vais le valider, on va dire que 5 sauts si on réceptionne deux roues en même temps c'est validé, mais il en faudra pas plus hein. Là à vous de marquer dans les commentaires, est-ce que vous pensez que c'est validé aussi? Martin, marquez, est-ce que Martin vous pensez que c'est validé les 5 sauts? Ok, je t'amène en finale, mais je vous préviens, la finale elle va être très très compliquée. Ceux qui ont tout juste validé les stoppies, ça va être dur pour vous après. Allez Martin, c'est bon, j'accepte la finale, je suis sympa aujourd'hui. Mais on a Nicolas, est-ce que ça va passer? Nicolas avec un trial également, la descente, les 5 sauts, bah ça c'est bon. Effectivement c'est plus simple qu'un trial hein. Tout fait, la technique sans nom, ça passe, parfait. Mais de rien, merci Aurélien. C'est qu'on avait d'autres, on avait Simon, je le connais Simon, il est de mon club à Montluçon, il a tout réussi. Yes, les manioles, lâcher une main, lâcher un pied, les palettes, de face, de côté, la technique sans nom. Oh yeah, c'est bon ça. Ah c'est parce que t'avais un beau pull bomber chaud ça. Et ben Simon t'es en finale également. Ça c'est cool. Séraphin c'est le dernier qualifié normalement. Avec un street trial, topi. Oh, est-ce que là aussi on compte 5? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, là c'est un peu plus propre, ça me va. Ok, moi je le valide. Et ben voilà, je crois que c'est tous les finalistes hein. Je crois que c'est tout bon, on a pris tout le monde. Ah non, il restait Florent. Là pareil, ce que je viens de voir là je suis pas sûr. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Allez, j'ai encore besoin de vous, Florent. Marquez dans les commentaires, est-ce qu'on valide ces 5 sauts ou pas? Je vais être sympa parce que j'ai validé pour les autres. Florent, je t'amène en finale, mais là, je te préviens, les 5 sauts, ça va être beaucoup, beaucoup plus dur tout à l'heure. Vous pouvez pas valider mieux. Franchement, ok, les 3 là qui ont fait moyen, les sauts sur la roue avant, je vous mets en finale. Si la communauté l'accepte, marquez dans les commentaires. Il va falloir monter le niveau, on va faire beaucoup plus dur cette fois-ci. Bon, je tiens quand même à remercier ceux qui n'ont pas réussi mais qui ont participé. Il y avait Amaury avec sa trottinette. Il a réussi honnêtement, les sauts sur la roue avant, les sauts sur la roue arrière, lâcher une main et tout. Il y avait aussi Emery, ça me fait plaisir parce que c'est un gars avec qui j'ai débuté le trial. Celle-là, magnifique. Celle-là, faut absolument que je la place pour la finale, faire des sauts comme ça avec cette technique de cavalier trop chelou. Emric, merci pour ton conseil. Malheureusement t'as pas été sélectionné pour la finale parce que t'as zappé, tu t'en foutais quelques techniques. Mais celle-là, je vais essayer de la faire juste après. Pareil, on faudra trouver un nom du coup, mais il ne sera pas sélectionné malheureusement. Il y avait Kevin dans son garage. Ah, le manque de souplesse pour cette dernière technique. Et là, il y avait de ça. Allez, faudra s'entraîner, mais je suis sûr que tu peux l'avoir avec tout ce que t'as fait avant. On avait Léopold également qui a pas réussi. Il était en enduro, donc je pense que les sauts sur la roue avant, les 5 stoppies. 1, 2, 3. Ah, dommage. Les sauts sur la roue arrière, pourtant tu les avais. Il nous a fait genre stoppie 180, c'est quoi ça? Marc, trop bien. Bon, il a pas réussi le défi, mais il nous a envoyé le petit bonus où il fait de la guitare sur son vélo, c'était bien sympa. J'imagine trop un gars comme ça passer dans la rue, vous voyez, genre. Énorme. Il y avait Mathis également avec ton vélo, il nous a fait de ces trucs, genre le lâcher un pied ici et genre le level 100 avec le between, mais genre. C'est pas possible. C'est genre le truc, si ça merde, il y a tellement pas de frein, il y a rien, tu te mets par terre. Moi pour ça, j'aurais envie de te faire passer en finale, mais bon, on va pas pouvoir, dommage. Il y a eu Patrox qui fait du bike life, pareil. Pourtant, il maîtrise à fond les wheeling, mais le stop piece a été compliqué, il a essayé de changer plusieurs fois de vélo. Dommage, il manquait pas grand-chose. Et puis on a eu Tom, 43 ans, le plus âgé de ce concours. Et il m'a fait délire parce que regardez, avec le vélo que t'as pris, un peu petit mais ça fonctionne. Là le saut du banc avec ce vélo. Et après bah t'as pas pu faire le reste. Tu t'as tenté une petite fin. Ouais. Avec le mini vélo. Bon voilà, allez c'est le moment maintenant de passer au grand défi. Qui va gagner? Donc je pars dehors, je vais m'équiper. Je vous lance 5 nouveaux défis. Toutes les infos sont dans la description pour participer aux nouveaux défis, ceux qui sont qualifiés là. J'attends bien sûr vos commentaires, savoir si les 3 sont validés ou pas, là, l'histoire des 5 stoppies, tout ça. Vous pouvez bien sûr essayer ces défis chez vous, hein. Vous serez juste pas dans le concours, mais si ça vous motive à faire du vélo, ça c'est cool. Allez, on part dehors. Ok, en première technique, je vais vous imposer le stoppie. Faire un tour sur la roue avant en stoppie. Voilà, ça c'est pour départager les 3 qui ont eu du mal en stoppie. Le tour sur la roue avant, c'est parti. La deuxième technique, on va la dédier à Emery qui nous a proposé son espèce de cavalier à l'envers. On va l'essayer. Je l'ai jamais essayé honnêtement, on va voir. Je vais proposer 5 sauts sur la roue arrière avec la technique de Emery. Oh, en vrai, c'est chaud. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oh putain. On est pas loin là, je sens que ça va passer. Emery, ton défi n'est pas simple. C'est pas moi qui dois gagner les 100 euros, c'est eux, les abonnés. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. C'est validé. Comme les gars en stoppie, hein, normalement les 5 c'est à peu près validé. Je le vais essayer une fois, mais pour moi les 5 c'est validé. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bon allez, à vous d'essayer. Je vais proposer le 360 à plat. Je pars en équilibre et seulement sur la roue arrière, je vais faire à 360, vous allez voir. Pour la prochaine technique, on va prendre un petit peu plus de risques. L'idée, ça va être de faire un salto avant par-dessus le guidon. Vous avez le droit de prendre un matelas comme moi, un tas de feuilles, par exemple, de la neige que vous voulez, vous faites pas mal. Ceux qui le sentent sans rien, c'est possible aussi, hein. Mais je vous conseille peut-être un petit matelas. Le but, c'est pas de se tuer non plus. Vas-y, on va tenter ça. Oh, allez, chaud. Celui-là il fait flipper. On passe au dernier, je vais vous trouver un petit truc sympa. Le défi ultime, faire un saut sur la roue arrière de 2 mètres de haut. S'il vous plaît les gars, ne vous faites pas mal. Mais s'il vous plaît, tentez pas des trucs fous pour les 100 €. Après ça, juste pensez à vous abonner, liker. Et les finalistes, je vous ai contacté par mail de toute façon donc. Bonne chance à tous pour ces nouveaux défis. Je regarderai, vous avez un mois maintenant pour m'envoyer ces 5 nouveaux tricks et on verra qui sera le grand gagnant de ce défi de Noël. Allez, pensez à liker, vous abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.